remarquerez que je me suis tué durant toute la séquence, hein. Mais bon, ça valait le coup, quoi. Je veux dire, fallait pas gâcher ça. Ça aurait été horrible. Face tribu, donc, enfin, salut les amis, c'est sûrement le deuxième épisode, donc je vous redis salut. Et si c'est pas le cas, j'aurais l'air... Oh, je suis là, regardez. Diversité domestique. Domestiqué et élevé trois espèces différentes. Oui, bon, ça, vous allez comprendre. Sauf si vous avez pas encore compris, évidemment. Donc la petite maison en feuillage, toute gentille, sauf que j'ai plus l'intention d'être gentil maintenant. Oui, j'ai formé une tribu, c'est super. Oui, donc... oui. Donc on peut encore modifier sa créature, mais plus de la même manière, on peut plus la modifier corporellement. Enfin, physiquement, c'est fini, elle bougera plus. Mais maintenant, on peut l'armer, on peut lui mettre une armure et tout. État, cueillette sociale, cueillette sociale, cueillette combat. Ouais, c'est ça qu'il faut. Plus gros et plus aplati. Voilà. De toute façon, ça se verra pas, hein, je veux dire. Combat, ouais, combat. Quitte à plume. Oui, cache-moi un peu ça. Je sais que vous êtes une espèce de pervers, mais... Mais tu me caches ça. C'est pas possible autrement. Boîte à bijoux. Voilà. Ensuite, combat et état. Parce qu'on va faire du combat. Mais on peut que se nourrir avec des algues ou des fruits, donc il faut des trucs pour la cueillette. Tour de soleil en creux. Oui, bon, ça c'est bien. Relève-moi ça. Voilà. Petite boucle d'oreille. Voilà. Et tes couleurs, ben c'est déjà les bonnes. Oui, je peux encore changer ses couleurs par contre, mais c'est... Ouais. Bon, bah c'est bien là. Bon, t'as rien dans le dos, mais on s'en fiche. Je suis franchement trop... Voilà. Maintenant, t'as quelque chose dans le dos. Ah, oui, bon, je suis chiant, mais je m'en fiche. Voilà. En fait, ça va aller le coup. Ah! Le lag. Mais oui! Bonjour à toi, le lag. Et voilà, il a un bon kilt qui entoure toutes ses parties. Bon, enfin, j'imagine que ses parties sont au même endroit que les nôtres. Hein. Donc, Maracas, je m'en fiche éperdument. Donc, notre prochain achat, ce seront les torches enflammées. Après qu'on aura fait des gosses. Dictationnel caméra. Je le connais par cœur. Oui, oui. Oui, là, on peut faire quoi? Oui, la hutte, hein, là, le villageois, on prend. Voilà. Et regardez. Oh, nos amis. Ce sont nos animaux domestiques maintenant. Yeah. Yeah. Bon. Ah oui. Donc on est assez proche. Et là. Je vais aller chercher les pigeons. Non, pas de pigeons. Bon, tant pis, pas de pigeons. Voilà, récupérez-moi ça. Pendant ce temps, je vais voir s'il y a un géant dans le coin. Géant. Un petit géant. Ah là vous rendrez un peu plus compte, là on voit déjà un peu la taille mais c'est toujours pas le rendu que je voudrais que ça donne. Vous verrez à quel point c'est grand plus tard. Ah, je passe à travers un rocher. Y a pas un petit géant. Oh la météorite. Non, allez. Bon, et ben apparemment... Non, du moins je l'ai loupé, oh, c'est pas grave. Ah c'est dommage, j'avais fait une créature rien pour voir si ça nous donnait un... Ah oui, il faut que je fasse des bébés. Faut faire des bébés pour qu'il y ait d'autres membres dans la tribu. Ouais, là, je peux avoir jusqu'à 6 membres. Et là, je dicte ce que le groupe fait. Et là, il récupère des fruits. Là, pour l'instant, vous dites, ben oui, il récupère des fruits, il construit des trucs, mais il fait pas grand-chose d'autre. Ben oui, ben, c'est parce que là, je vais attendre quelques instants, et bientôt, il y aura une tribu qui va apparaître quelque part par ici, là, là, et là, a priori, vu que c'est là où il y a les plus d'espace. Ils apparaissent, ben,
Ouais, en fait, ça serait logique, et on voit carrément à l'avance où les tribus vont être faites. Je vous parie que la première, elle va être faite ici. Ou là. Au pire, ici, quelque part. Bah, quand on parle du loup. Donc, voici la première tribu. La tribu marron. Ah oui. Tribu marron, ils vont l'avoir dans la tronche, je vous dis pas, des yeux pédonculés. Ah, comme par hasard. Oh, village marron. Allez chercher les œufs. Et voilà à quoi ils nous servent. Ils nous font des œufs. Oh là là! Torche! Voilà! Voilà, ils sont bientôt tous adultes. Ils sont tous adultes. Voilà. Une fois que vous aurez déposé vos recherches, vous irez. Voilà. Allez-y. Récupérez des torches, voilà. Et avant de partir à la guerre, on va faire une petite danse tribale pour bien se mettre dans la peau. Attention! Danse des Mexicains! Oh yeah. Enfin, bref. Lag. Voilà. On fait une petite sauvegarde, parce que ça serait con de devoir recommencer depuis le départ. Et on attaque le chef qui est seul. Attaquez-le. Oh non, non, il y est. On annule tout, on annule tout. Oh oui. Oh, il y en a qui sont restés à la phase 4. Oh purée. Je suis content. Je vais enfin pouvoir l'affronter. J'étais pratiquement sûr qu'il apparaîtrait si je ferais une créature juste avant la phase tribu qu'il apparaîtra en géant. Et bah c'est Spinosaur Ogre. Spinosaur Ogre, je vais t'avoir. À l'attaque. Attaquez-le. Regardez. Regardez. Ils attaquent. Même si ça me sert à rien. Ça me permettra de devenir plus méchant, c'est déjà ça. Ouais, à l'attaque. Ouais. Ouais. Rentre. Rentre. Toi, tu dois pas te faire tuer. Les autres peuvent, mais pas toi. Regardez. Ouais. Sauf toi. Non, en fait, je... Voilà. La flamme. Ouais, attaquez-le. Pause. Faut faire des bébés, hein. Et toi, qu'est-ce que t'as glandé? Non, toi, tu glandes pas, tu vas chercher des œufs. Allez-y. Allez-y. Vous en fichez de crever. Oui, à peine je suis cruel. Ouais, attaquez-le. 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 Super. Il les a peut-être tous tués, mais le chef est toujours en vie, et c'est tout ce qui compte. Et il a perdu la moitié de sa vie. Ah, ça, c'est génial qu'il ait perdu la moitié de sa vie. Ça veut dire que si je refais le même type d'attaque, et ben il va à nouveau subir la moitié. Et donc ça sera cool. Bon, maintenant ça va être le vide intersidéral. Va falloir attendre que tout le monde revienne à la vie. Enfin, que les descendants prennent leur place. Parce que a priori, il doit y avoir quelques membres dans la maison qui servent uniquement à faire ça. À se reproduire. Il doit y avoir des femelles. Et quelques mâles. Donc en gros, il n'y a jamais personne à attribuer, vu qu'il y a des œufs qui sortent comme par magie du truc, hein, et vous croyez qu'ils... Hein? On a tous compris, hein? Oh, je suis purée. Qu'est-ce que t'as piqué mes fruits? Heureusement que j'ai autre chose à faire, hein.
Moi que je dois aller tuer l'autre là-bas. Le Spinosporus, je sais pas quoi. Enfin bref. Yeah. Toi tu vas récupérer des fruits. Toi tu vas récupérer des fruits. Et toi tu vas récupérer des fruits. Tout le monde va récupérer des fruits. Et vous, vous grandissez. Vitesse éclair, un peu moins éclair qu'avant, hein. Vous êtes doté d'un cerveau quand même, ça prend un certain temps pour vous grandir, mais bon. C'est quasi instantané une fois de plus. Non, ne te nourris pas, tu vas récupérer de la vie. Oui, c'est du lag, je sais. Mais je m'en fiche, je faisais rien d'intéressant. Mais il est juste à côté. Même pas, il se gêne, il est juste à côté. Arrête tout, arrêtez tout, arrêtez tout. Si vous vous approchez trop de lui, vous allez vous faire attaquer, vous n'êtes pas prêt. Allez, plus vite. C'est ça que t'appelles une poussée de croissance? Voilà. Récupère ça. Et une fois que tout le monde est prêt, nouvelle danse tribale. Et on va le tuer. Ah, t'es là. Yeah. Ouais. Donc, nouvelle sauvegarde. Et maintenant, même le chef y va. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là!